Tout d'abord, bienvenue à vous quatre. Et c'est véritablement un plaisir. En l'occurrence, comme je le disais hier, on a eu une période difficile et ça nous a permis en même temps de regarder l'équipe d'un peu plus haut et de constater où on avait des manques et où est-ce qu'on pouvait se renforcer, comment vous pouvez se renforcer. Et voilà, on est heureux de vous avoir tous les quatre parmi nous et puis de continuer l'aventure qui est la nôtre depuis 3 ans et d'accéder le plus rapidement possible au haut niveau. Donc voilà, on compte sur vous et on vous souhaite à tous les quatre la bienvenue. Dans un âge où j'ai normalement atteint une maturité, déjà c'est un premier point que je vais essayer d'apporter au groupe et je me dois aussi de le faire. Hargneux sur le terrain, peut-être souvent à la limite, mais c'est ce qui peut pousser un groupe, donc j'espère apporter ce côté-là. Bon, après, bon, j'ai des pieds, mais je suis pas le plus technique, on va dire. Les moments forts, c'est la Ligue des Champions avec l'Olympiakos, l'Europa League avec Guingamp, et aussi les qualifications d'Europa League avec Anvers, Royal Antwerp en Belgique. C'est lui qui m'emmène à Valenciennes. Et moi, franchement, c'est la carrière qu'il a. On n'a pas besoin de parler du fait que ce soit un bon coach ou pas. Mais en tout cas, humainement, j'ai beaucoup aimé être avec lui humainement. J'aime bien la relation qu'il a avec les joueurs, la relation qu'il a avec les gens avec qui il travaille. Et pour moi, c'est le plus important parce que on est dans une vie de groupe. Et c'est l'essentiel, se sentir bien pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Avant Nantes, tout d'abord j'ai été formé au Paris Saint-Germain. Après j'ai été prêté 6 mois au Paris FC. J'ai été prêté 6 mois à Tours. Je suis revenu au Paris Saint-Germain et après le Paris Saint-Germain j'ai signé à Nantes. Je le vois pas comme un rebond, non. C'est plus un challenge. Le projet il m'a plu. Il y a un vrai projet. Donc c'est ce qui m'a permis de venir ici. C'est tout d'abord le projet. Il y a un vrai projet, on va essayer de jouer la montée. Donc non, c'est pas un rebond ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment un vrai choix. Et ça m'a donné envie de rejoindre cette équipe parce que c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue au foot. Donc je me voyais bien dans cette équipe. Après, comme le président l'a dit, jouer la montée ou pas, on va tout donner, on verra à la fin. J'avais fait mes premiers pas en professionnel au Havre. Et puis là, je suis content d'être ici à Sochaux pour pourquoi pas débuter en Ligue 2. Ouais. J'ai la chance d'avoir évolué à ces deux postes-là durant ma formation. Et sur les deux postes, je suis preneur. Après, c'est sûr que j'ai un poste sur qui je préfère, comme défenseur central. Je me sens plus à l'aise dans ce poste-là, mais si je peux aider l'équipe à jouer à ces deux postes-là, je suis le plus heureux. J'ai passé toute ma scolarité à La Réunion, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai signé par. J'ai eu un test d'un mois à Caen et j'ai fait un mois, j'ai joué avec la réserve et on m'a proposé un contrat directement par la suite et je suis venu à Caen. Mon poste de prédilection c'est celui-là, mais je peux occuper tout le côté gauche. Après, où le coach me décide de faire appel à moi, de toute façon on est dans un projet. C'est le collectif qui prime, donc mon poste de prédilection c'est latéral gauche. Je pense que si on m'a appelé ici, c'est pour être là, ce poste-là, dans un premier temps. Mais une saison est longue, semée d'embûches. Il y a des hauts et il y a des bas, donc j'espère plus de hauts, bien sûr. Mais je suis là pour aider l'équipe, c'est ça avant tout. Parce qu'il y a déjà un beau collectif et je viens apporter ma pierre à l'édifice et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'endurance, la vitesse et ténacité aussi, l'abnégation, ne jamais lâcher. Ce groupe a ces valeurs-là, donc je me sens bien déjà dans ce collectif. Même si on n'a pas encore joué ensemble, juste les premiers entraînements, je me sens bien, il y a une bonne ambiance au vestiaire et j'ai hâte d'enchaîner les matchs déjà de préparation et par la suite démarrer le championnat devant le BFC.